Oh, bonjour. Voulez-vous acheter une statue? Oh oui, j'aimerais beaucoup acheter une statue. Mais attendez une minute, j'espère que ce n'est pas une statue magique. Oh non, elle n'est pas magique. C'est une jolie statue tout à fait normale. Oh, tant mieux, parce que je me suis déjà fait avoir, figurez-vous. Oups, on fait une pause. Bip. Bilby creuse, creuse, Bilby creuse, creuse, creuse un trou, ah, ça sent mauvais. Rien ne t'empêche d'attendre dehors, ma grande. Oup, on reprend. Alors, je voudrais celle-ci, s'il vous plaît. 420 $ idoux. Merci beaucoup. Profitez bien de votre statue. Alors, où est-ce que je vais mettre cette statue? Oh oui, ici. Oh, j'ai oublié ma monnaie. Rebonjour. Je crois que j'ai oublié ma monnaie. Oh oui, monsieur. Tenez, la voilà. Merci, madame la marchande. Bien, je retourne à ma statue, qui, j'en suis sûr, doit se trouver là. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? J'aurais pourtant juré l'avoir posée là. Bonjour, ah, je suis le médecin. Oh, bonjour, docteur. Je m'appelle... Oh, vous êtes très courageux. C'était quoi, ça? C'était une aiguille. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi m'avez-vous fait une piqûre avant d'essayer de savoir ce que j'ai? Parce que je suis très, très occupée. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai mal au ventre. Vous avez un bébé à l'intérieur? Je ne crois pas, non. Infirmière, faites une radio à mon grand patient bleu, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un bébé là-dedans. Tout de suite, docteur. Une seconde, je ne crois vraiment pas avoir... Je pique. Au revoir. Nom d'une grosse aiguille. On peut dire qu'elle aime faire des piqûres. Ne vous inquiétez pas, mon grand. Grâce à ça, vous allez vous sentir mieux. Maintenant, je vous fais passer votre radio. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Radio! Votre radio sera prête en un rien de temps. Ah, tant mieux. Je n'ai plus qu'à me détendre. Me revoilà! Je pique! Oui, Bluey! Enfin, je veux dire, docteur, est-ce que ça pourrait être la dernière piqûre, s'il vous plaît? Non. Oh, eh bien, je crois que je vais la remettre à sa place. Est-ce que tout va bien? Je crois que oui. J'aurais juré avoir laissé la statue ici, mais je l'ai retrouvée là-bas. Eh bien, vous êtes probablement en train de perdre la tête. Oh oui, probablement. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Où est ma statue? Hé! Hey! Comment se fait-il que tu sois dehors? Il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Quoi? Ah! C'est bien une statue magique! Ah, je le savais! Vous m'avez vendu une statue magique! Revenez ici tout de suite! Où êtes-vous passé, petite canaille? Oh! On sonne à la porte. Bonjour! Oh! Quoi? C'est étrange! Je croyais qu'on avait sonné à la porte. Bon, eh bien, je vais retourner à l'intérieur et reprendre mes activités habituelles. Tenez, je vous apporte la radio. Oh, merci beaucoup. Je vais déjà retirer ce pansement. Et hop. Oui. Qu'il est courageux. Oh, eh bien, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez ici? Oh, ça alors, c'est un opossum? Absolument, vous avez un opossum dans le ventre. C'est pas un opossum, c'est un chat. Ah oui, vous avez un chat dans le ventre. Comment y est-il entré? Est-ce que vous l'avez mangé? Non, voyons. En fait, personne ne sait vraiment comment les chats entrent dans un ventre. Mais c'est probablement par le nombril qu'ils passent. Comment ça, vous croyez? Eh oui, je suppose qu'ils installent un toboggan pendant que vous dormez et ils n'ont plus qu'à glisser à l'intérieur. C'est une drôle de méthode. Nous allons devoir opérer. Tout de suite, docteur. Oula, pas si vite. Bon, allons-y. Tenez, je vous donne un peu de lecture. Ça veut dire que vous n'allez même pas m'endormir avant? Oh si, c'est une option. Infirmière, pouvez-vous endormir ce grand patient bleu, s'il vous plaît? Bien sûr, docteur. Dormez bien, dormez bien. Dormez bien, monsieur Télémaque. Lion, il a faim! La peluche! Oh, je suis désolée, les enfants, mais elle a la permission de faire ça. S'il vous plaît, les enfants, écoutez-moi. Vous devez rendre vos livres maintenant. Il faut que vous le déposiez dans ce casier. Merci beaucoup. Toi aussi, Muffin. Non, j'ai pas envie de les rendre. Tu ne peux pas garder les livres de la bibliothèque. Si tu ne les rends pas, les autres enfants ne pourront pas les emprunter. Les autres enfants doivent rendre les livres. Mais moi, j'ai le droit de les garder. Pourquoi est-ce que toi, t'as le droit de les garder? Parce que je suis la fillette la plus spéciale du monde entier. Ça suffit. Tu fais beaucoup de bruit, tu empruntes tous les livres, tu vas même déranger les tout-petits, mais tu es obligée de rendre les livres. Sinon, tu ne joues pas correctement à la bibliothèque. Je suis dans un hélicoptère. D'accord. Je peux le piloter. Non, c'est moi le pilote. Oh, bon, d'accord.
Tu veux bien m'amener à la maison de mon papa? Non. C'est moi qui décide où on va et ce qu'on y fait. Mais toi, tu peux être le passager. Bon, d'accord. Prêt pour le décollage? Tchoup, 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 tchoup. Là, je m'ennuie un peu. D'ailleurs, je vais peut-être m'en aller. Non, surtout pas! On ne saute pas d'un hélicoptère en plein vol au beau milieu du ciel! Oh, désolé, j'avais oublié. Ouah, attention que tu glisses! Ah! Il faut trouver une solution, vite! Vol jusqu'à la maison de mon papa! Il a une grande piscine! Ah, bonne idée! Je peux te lâcher juste au-dessus. Et où est-ce qu'il habite? J'en sais rien du tout! Oh, Winton! Il ne vit pas avec ma maman, c'est pour ça! Alors, il suffit que je trouve sa piscine. C'est celle qui a à la fois un grand bassin et un petit bassin! Et nous, on fait du dos crawlé dans le grand bassin! Regarde, la voilà, je compte jusqu'à 3, je te lâche! Et 1, 2, vise bien pour me lâcher dans le grand bassin! Ok, 3! Ça fait plus d'une semaine et je le sens encore. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Muffin ne joue pas bien à la bibliothèque. Bluey, on en a déjà parlé. Muffin peut jouer comme elle en a envie. Mais on joue à la bibliothèque et elle ne veut pas rendre les livres. Elle a dit qu'elle n'était pas obligée de suivre les règles de la bibliothèque. Oh. Et est-ce qu'elle a dit pourquoi? Elle dit qu'elle est la fillette la plus spéciale du monde entier. Ah, ouais, je vois. Je reviens tout de suite. C'est la brigade! Dis, Muffin. Hey. Tu sais, quand je t'ai dit que tu étais la fillette la plus spéciale du monde entier... Oui? Eh bien, ce n'est pas vrai. Oh. Je veux dire, tu l'es pour maman et moi. Nous t'aimons plus que tout, et tu le sais. Mais tu n'es sûrement pas spéciale pour les autres gens. Oh, d'accord. Donc, tu dois respecter les règles, comme tout le monde, d'accord? D'accord, papa. Merci, Trésor. Bluey, tu sais quoi? Quoi? Eh bien, je ne suis plus spéciale maintenant. Super! On recommence à jouer à la bibliothèque. Je vous promets de rendre tous mes livres. Oui! Salut Chloé! Salut Bluey! Tchoup tchoup! Atterrissage! Je suis dans un hélicoptère allémante! Et voilà! Je peux piloter? Non, je suis seulement une passagère. Mais tu peux me dire où tu voudrais que je te conduise. Ah, tu pourrais m'emmener voir la grande barrière de corail? Oui, je veux bien. Tchoup 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 tchoup! Tiens, regarde, la voilà, la grande barrière de corail. Alors je vais prendre des photos. Tiki tiki, tu as vu cette baleine énorme? Tiki tiki. Ah, wow. J'ai fait tomber mon téléphone et il atterrit sur le truc d'où sort le jet d'eau de la baleine. Oh, je vais te le récupérer. Oh. Est-ce que tu peux piloter l'hélicoptère une seconde? Oui, bien sûr. Mais tu le fais juste une seconde, hein? C'est toujours moi le pilote, d'accord? Oui, d'accord. Ah, donne-moi ce téléphone, baleine. Fais attention, sinon elle va t'asperger avec son gros jet d'eau. Allez, viens, Bingo. Attends, ne les retourne pas tout de suite. Bon, des bras. Oh, mais qui va ramasser l'herbe à potion? Mot de passe. Diplodocus. Bingo ne joue plus avec nous. Honey, c'est toi qui vas ramasser l'herbe à potion. Quoi? Mais je monte la garde. Non, plus maintenant. Chloé, tu veux bien ramasser l'herbe à potion? Non, merci. J'aime bien une garde, moi aussi. Mais je peux crier mot de passe plus fort que toi. Et si on n'avait pas besoin de l'herbe à potion, on pourrait utiliser ce paquet de chips. Ça va pas marcher. Si, peut-être. Elles sont saveur barbecue. Et les parents ont organisé un barbecue. Oui, on peut toujours essayer. Mais qui est-ce qui va monter la garde? Oh, c'est toi, Bluey. Moi, je vais faire l'espion. Hein, quoi? Mais c'est moi, l'espionne. Le mot de passe, c'est énervé. Alors, quel rôle chacun va jouer? Moi, je serai un lion de cirque. Et je veux m'enfuir pour retourner vivre dans la jungle. Oui, oui. Alors moi, je serai le dompteur de lions. Mais je serai très méchant. Et c'est pour cette raison que tu voudras t'enfuir. Oui. Et moi, je serai l'acrobate et je serai mariée avec le dompteur de lions. Oui. Attends, quoi? Et moi, je serai le public. Et ça, ce sera du pop-corn. Et moi, je serai la maîtresse de piste. C'est moi qui donnerai des ordres à tout le monde. Oui, mais moi, je suis le public. Donc, j'ai aucun ordre à recevoir de toi. Ah oui, d'accord. Bon, on commence. Oui, oui. Attendez, il me faut plus de pop-corn. Oh, et ça recommence. Dis, Hercule, je pourrais jouer le rôle de la moto maintenant? Mais non, tu es mon obstacle. C'est ennuyeux d'être un obstacle. Fais ce qu'on te demande, sinon tu joues plus avec nous, c'est clair? Bon, c'est d'accord. Tu as les lèvres toutes bleues! Elles sont de la même couleur que moi! Bluey, écoute, j'essaie de vous faire sortir du bain en le faisant gentiment, mais il faut que tu m'aides! Mais on n'a pas fini! On a encore tous ces bons burgers à
te vendre. Oh, d'accord, je vous les achète tous. C'était exquis. Voilà, vous avez vendu tous vos burgers. Waouh. Bon, vous sortez de l'eau? Oui. Ah, génial. Quand tu auras payé. Hein? Voyons voir, une centaine de burgers. Boop. Ça nous fait 100 dollars, s'il vous plaît. Mais il ne me reste plus d'argent. Alors, comment vous allez faire pour payer tous ces burgers que vous venez de manger? Me voilà dans le bain, en train de faire la vaisselle. Tenez, encore des assiettes sales pour vous. Merci, patronne. Vous êtes encore dans le bain? J'essaie de leur apprendre à prendre des responsabilités. Ses lèvres sont toutes bleues. Elles sont de la même couleur qu'elles. Cette fois, j'enlève le bouchon. Arrête, non! Maman, c'est notre restaurant de burgers. Il est déjà 19h, vous devriez être sortie du bain. Et toi, tu ne devrais même pas y être. Oh, Bluey, Mackenzie, où sont vos amis les grands? Ils sont partis jouer sans nous. Oh, comme c'est dommage. Peut-être qu'ils ne nous aiment pas. Mais si, ils vous aiment beaucoup. Mais ce n'est pas toujours facile d'avoir 12 ans, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tiens, donne-moi ces petits bateaux. Je vais vous montrer quelque chose. Allez-y, retenez-le, les enfants. Il était une fois deux amis de 6 ans qui flottaient tranquillement sur la rivière, sans se soucier du monde. Un jour, ils eurent 7 ans, puis 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans et... Je peux pas tenir plus longtemps! Attention! 11 ans! Wouhou! Ils partirent pour une grande aventure! Accrochez-vous, les grands! Oui, accrochez-vous, les grands! Ils passèrent par ici et par là! Ah, tu crois qu'ils vont s'en sortir? J'en sais rien! Oui, ils ont réussi! Super! Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Allez, on passe par ici pour aller dans la cuisine. Non, il vaut mieux passer par les canapés. Mais le chemin est plus long. Et alors? On n'a pas le temps. Il faut que j'apporte cette lettre à maman tout de suite. Mais le chemin des canapés est plus rigolo. Et tu es obligée d'être d'accord avec moi, tu te rappelles? Bon, j'ai une idée. On va essayer autre chose. Je serai d'accord avec moi et toi, tu seras d'accord avec toi. Ok. On se voit dans la cuisine. Oh non, je suis coincée. Moi aussi. Regarde, un bateau sur la lave. Mais comment on va faire pour le rejoindre? J'ai une idée. On a réussi. Finalement, les facteurs ont vraiment besoin d'un vélo. Peut-être qu'on devrait toutes les deux être d'accord sur tout. D'accord. Oh, bingo. C'est le seul moyen qu'on a de se déplacer sur la lave. Tu n'es pas d'accord? Si, je suis d'accord avec toi.